Good morgen, allez, Iden les suivre aujourd'hui, le Mishmat Moravi Mishmal Shmuel ben Shlomo Salman, Nissim ben Nahuda, Sarah Batrana Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah contre les 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhat Menachot, Perek Gimel, Mishnah Vav, Shne Seire Yom Akiporim, Me Akvin Ze et Ze, Shne Kivsa Tseret, Me Akvin Ze et Ze, Shte Chalot, Me Akvot Zo et Zo, Shne Sdarim, Me Akvin Ze et Ze, שני בזיחין מגבין זה את זה, הסדרים בבזיחין מגבין זה את זה. שני מינים שבנזיר, שלושה שבפרה, ארבעה שבתודה, ארבעה שבלולב, ארבעה שבמצורה, מגבין זה את זה. שבע זיות שבפרה מעגבות זו את זו, שבע זיות של בן הבדים, ושעל הפרוכת, ושעל מזבח הזהב, מעגבות זו את זו. On a ouvert un sujet depuis la Mishnah précédente qui va se durer. Qui va se continuer pendant les quelques prochaines Mishnayot, sous plusieurs aspects. À chaque fois que la Torah me précise, m'impose deux éléments, trois conditions pour réaliser une mitzvah, est-ce que la réalisation partielle de ces éléments, on accomplit ainsi la mitzvah ou non? Je m'explique. Par exemple, on va évoquer le cas des quatre espèces du loulav. Bon, la Torah m'a dit quand tu prends l'oulav, tu dois avoir un oulav avec du hadas et de la harava et le hétrog. Quatre espèces. J'ai pas réussi à me procurer les quatre. J'en ai que trois. Est-ce que j'accomplis quand même la mitzvah de la sorte? Ou bien, non. S'il manque un élément, ça invalide le tout. C'est le sujet qu'on développe dans les prochaines Mishnayot, qu'on a déjà évoqué en fait dans la Mishnah précédente avec la mincha, à savoir lorsqu'on a la. On n'a pas eu de levona, on n'a pas mis l'huile. On n'a pas pris le comète, toutes sortes, d'accord. La Mishnah précédente, elle a ouvert le sujet, le débat, à propos de la mincha, et du coup, dans cette Mishnah, on va encore parler des kochim, et ça va partir ensuite, on va se mettre à parler de toutes sortes de choses qui n'ont plus de rapport avec, même avec les kochim, on va parler du talit, on va parler des tfilines, on va parler de toutes sortes de choses, et on commence tout de suite le premier sujet de la Mishnah, qui sont les Shnei Seire Yom HaKippurim. La Torah l'a demandé d'apporter deux seirim, deux boucs semblables que le Kohen Gadol devait prendre et tirer au sort pour désigner lequel de ces deux boucs sera pour Hachem et lequel sera le bouc émissaire qu'on partait jeter d'une falaise. D'accord ? Et la Mishnah enseigne maintenant que les deux, Shnei Seire Yom HaKippurim, les deux boucs de Yom Kippur, mais akvin ze et ze. Littéralement, l'un empêche l'autre. L'un invalide la réalisation de la mitzvah par l'autre, parce que je t'ai demandé d'avoir les deux, et sans les deux, tu fais rien. D'accord? Même principe encore avec les kivse atzeret. Je vous rappelle, atzeret dans tout le chasse. Lorsque vous voyez le mot atzeret, la fête de clôture, c'est la fête de Shavuot. Et à Shavuot, il y a un rituel spécial où il fallait apporter deux moutons. Shlamim, c'était les Shalmei Tzibour, c'est les deux seuls Shalmei Tzibour qui existent. Deux Shlamim et deux pains, avec tout un rituel. Il fallait les balancer, les mettre un sur l'autre, les balancer. Deux grands pains, Chametz. Et la Mishnah m'enseigne de nouveau, et ben, sache que dans les deux Kivsa Tseret, si tu n'as eu qu'un seul Keves, il y a eu un autre qui a eu un problème, mais est-ce que tu peux quand même réaliser avec la mitzvah avec l'un? La Mishnah m'enseigne, non. Shnei Kivsa Tseret, donc les deux kvasim, les deux moutons de la Atzeret, de Shavuot, mais akvin zeitze, l'un empêche la réalisation de la mitzvah de par l'autre, si toutefois ils ne sont pas là, les deux. D'accord? C'est, littéralement, c'est un peu dur à traduire, je n'ai pas trouvé les mots exacts. C'est invalide. Chaque élément, l'absence de chaque élément, invalide la mitzvah. D'accord? Idem encore, shtei chalot, les deux pains de Atzeret, donc, mais akvot zo et zo. L'un empêche l'autre, invalide l'autre. Ensuite, on va parler maintenant dans les 3-4 prochaines lignes prochaines de la mitzvah de Lechamim du Shabbat. Le Shabbat, il y avait sur la table en or qui était dans le Echal, il y avait là-bas deux darim, deux séries de pains, de 6 pains, il y avait les 12 pains. Donc deux séries de 6 pains avec deux cuillères qui contenaient dedans de la levona. Il y avait tout un rituel, des kohanim qui viennent, qui font traîner les nouveaux pains. On récupère les anciens pains, on récupère les cuillères et on met des nouvelles cuillères avec dedans de la levona de nouveau. Les deux cuillères, il fallait les prendre et les faire monter sur le misbéach. C'est le rituel du Shabbat. Maintenant, regardez que tout se passe par deux. On a deux séries de 6 pains, deux cuillères
et bien sûr les pains et les cuillères. Et chaque élément invalide l'autre. D'accord ? C'est ce que la Mishnah m'enseigne. Donc, Shnei Sdarim, les deux séries, un seder, c'est une série, Shnei Sdarim, deux pains, donc, des six pains, Me'agvin, Ze et Ze, ça empêche l'autre. Imaginez que, par exemple, il y a eu un accident cette semaine, il y a eu, au Beth Amikdash, il y a eu des étrangers qui sont venus, je ne sais pas, ils ont volé les six pains, il ne reste que six pains. Est-ce qu'on va quand même accomplir la mitzvah avec les six pains restants ? La Mishnah m'enseigne, non. Si tu n'as pas les douze, tu n'as rien. Donc, Shnez Darim, mais Agvin Zenze. Les deux séries empêchent l'un, empêchent l'autre. Idem encore avec Shnei Bazichin, mais Agvin Zenze. Les deux cuillères, l'une empêche l'autre, empêche la réalisation de la mitzvah. Tu ne pourras pas faire la mitzvah avec ce qui te reste. D'accord ? Imaginez donc une cuillère qui s'est renversée, qui a disparu. Eh bien, tu ne pourras pas prendre juste. On va pas dire, prends quand même une et accomplis la mitzvah avec ce qu'il y a. Non, s'il n'y a plus les deux, il n'y a plus rien. Idem encore. Shnei Bazichin, Me'agvin Zeze, ce que je viens de dire. Asdarin va Bazichin, Me'agvin Zeze. Idem encore. Les Bazichin, il y a les Bazichin. Les Bazichin, le Bazir, c'est la fameuse cuillère. D'accord ? C'est une cuillère avec un manche qui contenait dans la Levona. Donc il y a les Sdarim et les Bazichin, les séries de pain et les Bazichin et les cuillères, l'un empêche l'autre. C'est-à-dire que, imagine que tu as plus du tout de pain, mais qu'il te reste quand même les deux Bazichin. Est-ce que le Shabbat, on va quand même les prendre et aller les brûler ? Réponse, non. Ou encore, inversement, s'il te reste les pains, mais il ne reste plus les deux cuillères avec les levonas à brûler sur le Mizbeach, et bien de nouveau, tu ne pourras plus manger les deux séries de pain. On continue ensuite avec... Alors maintenant, c'est intéressant, la Mishnah, elle va nous classer les mitzvot selon les chiffres. Il y a Shnei Minim chez les Banazir, deux espèces du Nazir, Shlosha chez Bapara, trois espèces dans la vache, et on va expliquer bien sûr, Arba'a Sheba Toda, quatre espèces dans le Korban Toda. Et Arba'a Sheba Lulav, quatre espèces du Lulav, ça vous les connaissez. Arba'a Sheba Metzora, les quatre espèces du Metzora, du lépreux. Dans toutes ces choses-là, Me'agvin Ze et Ze. On t'a composé la mitzvah avec deux éléments, trois éléments, quatre éléments. S'il en manque un, et bien tu n'accomplis pas la mitzvah avec les autres restants. Alors c'est quoi plus précisément ? Shnei Minim Sheba Nazir, deux espèces du Nazir. Lorsque le Nazir apporte. C'est le nazir, vous savez c'est quoi le nazir, d'accord ? Celui qui a fait le vœu de ne pas consommer d'être nazir. Il a fait le vœu d'être nazir. Ça implique ne pas boire de vin, ne pas s'impurifier avec les morts, ne pas se couper les cheveux. Et lorsqu'il finit sa pureté, enfin plutôt lorsqu'il a rempli son vœu, il accomplit, ensuite il doit apporter un korban, qui sont les chalmé nazir, et il doit apporter deux espèces de pain en plus. Avec ce shlamim, il doit apporter aussi deux séries de pains qui sont des chalot et des rekikin. On aura l'occasion dans Menachot de découvrir quels sont exactement ces types de pains, mais c'est deux espèces de pains, des chalot matzot et des rekikin matzot. Il y en a un en fait qui est pétri directement avec l'huile et l'autre, lui, l'on ramène après cuisson. Alors, la Mishnah m'enseigne, je t'ai demandé d'apporter ces deux-là. Si toutefois, tu n'as qu'une seule série et tu n'as pas l'autre série de pains, tu en mets deux fois plus, tout ça invalide. Je t'ai demandé de faire un comme ça et pas autrement. Et si t'as pas, et ben tu fais pas. Idem encore avec Shlosha Shabapara, trois espèces de la para. La para, lorsque là il écrit la para, c'est la para Douma. Le Barthénoir, on dirait qu'il avait écrit ça dans la Mishnah, puisque dans le Dibur Matril, dans le titre du Barthénoir, il écrit Shlosha Shabapara Douma, trois espèces dans la para Douma, dans la vache rousse. C'est-à-dire, lorsqu'on fait la vache rousse, il y a tout un rituel, il faut sortir en dehors du camp, en face de Aramishra. Un endroit, une montagne de laquelle on voyait le Kodesh HaKodashim, et là-bas il fallait égorger la para, il fallait ensuite la brûler, il fallait jeter dans la para que l'on brûle, dans la vache que l'on brûle, il fallait jeter trois espèces qui sont Es Erez, Ezov ou Shnitolat. D'accord, du bois de Erez, du cèdre, Ezov, je ne sais pas comment ça se traduit, et Shnitolat, c'est aussi de la soie, quoi. Donc, lorsque la para brûle, il fallait jeter ces trois espèces-là. Et de nouveau, si tu ne les as pas, tu n'accomplis pas la mitzvah. D'accord ? Idem encore avec Arba'a Sheba Toda. Quatre espèces qu'on retrouve dans le Korban Toda. Lorsqu'on apporte un Korban Toda, il faut apporter des pains, 40 pains. Quatre espèces. D'accord ? C'est le plus garni. Il faut donc, il y a les Chalot Matzot, Rikike Matzot, Solet Mour Bechet et Chalot Lechem Chametz. Ça va rapporter dans le Barthénora. 10, 10, 10, 10. 40 pains.
S'il te manquait une espèce, ça invalide le tout, tu ne peux pas accomplir ta mitzvah d'apporter le korban Todah. Idem aussi avec Arba Sheba Lulav, les quatre espèces du Lulav, Arba Sheba Metzora. Les quatre espèces du Metzora. C'est quoi le Metzora? On parle cette fois-ci du Metzora du lépreux que l'on a exclu du camp. Lorsqu'il est devenu pur, alors il y a un rituel où il va falloir apporter deux tziporim, deux oiseaux, égorger un. Dans le sang de l'un, on va ensuite tremper, on va faire une agudat ezov, une botte dans laquelle on va rejoindre quatre espèces. Alors les quatre espèces, c'est Etzerez, Ezov, Ushnit, Olat, Vatsipor, Achaya. On va prendre l'autre oiseau vivant, avec dedans, de nouveau, un peu de bois du Etzerez, du bois de cèdre, du Ezov, et du Ushnit, Olat. On prend ces quatre espèces, on les trempe dans le sang, on doit asperger sur le Metzora. D'accord ? Et bien les quatre espèces que je t'ai demandé, l'un empêche l'autre de nouveau. Idem ensuite avec Sheva Azayot, donc Arba Sheba Metzora, Magvin Zeze. Sheva Azayot Sheba Para. Alors là, cette fois-ci, on parle aussi d'asperger la para Adouma. Une fois qu'on était en dehors du camp, on égorgeait la para. Lorsqu'on égorge la para, il faut asperger cette aspersion en direction du Kodesh à Kodashim. Et de nouveau, les 7, c'est 7, et c'est invalide, c'est pas fait les 7, c'est dans le 6, ça marche plus. Ok ? Sheva Zayot, Sheba Para, Meagvozo Ezo. Idem ensuite avec, alors là c'est tous les korbanot qu'on va faire à l'intérieur, les Chatot Apnimiyot. Korban Chatot qu'on va faire à l'intérieur du Echal du Kodesh Kodashim, qu'il s'agisse de Yom Kippour, il faut l'asperger entre les deux manches du Aaron Abrit, ou ensuite, lorsque l'on sort, on doit asperger sur la Paranchet. Dans ce cas-là, on peut même parler du Paranemet d'Avarchal Tzibour, il faut asperger sur la Paranchet. Et ensuite, il y a une aspersion à faire sur le Misbeach Hazav, le Misbeach en or de la Ktoret qui était à l'intérieur. C'est ce qu'on compte à Yom Kippour lorsqu'on dit Achat, 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 Vechtaim, Achat, Vechalosh, Achat, Vechalosh, là-bas. Donc on parle de 7 aspersions, il y a même 8 aspersions en fait. Et la Mishnah enseigne que elles sont toutes Meagvot, Zo, et Zo. Si tu n'en as fait que 3, et qu'après il y a eu un problème avec le sang, tu dois porter un nouveau sang, il va falloir recommencer la série depuis le début. D'accord ? Pourquoi ? Parce que Meakvot, Zoezo, l'une empêche l'autre. Et le partenariat continue en portant toutes différentes sources et cas de figure qui n'ont pas encore été évoquées dans la Mishnah de type d'aspersion. Pour notre propos, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Sfarakol, tout ça.